Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis au Japon, à Tokyo. Et ici, ils ont quelque chose qu'on appelle les Love Hotels. Love Hotels, c'est quoi? C'est des hôtels faits pour... C'est pour la pêche, là. Et ce qui est assez cool avec Love Hotel, c'est qu'il y en a pas mal d'assez spéciaux. Comme par exemple, ce Love Hotel dessert. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille à l'intérieur et que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais avant, j'ai autre chose à vous montrer. Le musée du caca. Il y a aucune vanne. Ils viennent de nous expliquer les règles du musée et ils ont vraiment souligné en rouge et en gras que c'était pas des vraies toilettes à l'intérieur. Mais s'ils précisent ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà posé des classiques et pissé dans les toilettes du musée. Et ça me terrifie. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais tu crois qu'on va avoir un toilette chacun? Oui. Moi je vais prendre le rose je pense. Qu'est-ce qu'elle fout? D'accord. Elle va me demander de pousser là, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai posé mon classique, il est bleu. Avançons toujours plus dans le monde du caca. Ouah, le monde du caca s'ouvre à nous. Oui, c'est non. Là, on peut se mettre tous les deux là. On fait caca à deux. Allez, c'est trop. C'est bon. Je suis devant le mur officiel du caca. Il y a toutes les manières de dire caca dans toutes les langues du monde. Nous, on est là. Alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Il y a une salle d'arcade avec des bornes caca. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es nul à chier. Ah parce qu'on est dans le... Okay. Alors apparemment c'est un truc de ninja ça. Ah faut que t'attrapes les caca. C'est dur. Je vais l'égorger le gamin. Attention. Ah je l'ai. Let's go. Je l'ai. Avec le petit doigt. On a le supermarché du caca si tu veux. Oh, on va aller au supermarché du caca. On a des onigiri caca. Là on a du soda caca. Et là, pareil, encore une fois, des canettes de caca. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce musée, c'est de la merde. Il y a des caca animaux. Oui. Regardez, il est énorme lui. Hein. Il a dû faire très mal en sortant. Hein. Ici, plus tu cries fort, plus ton caca il est gros. Ok, on va voir à quel point mon caca il est gros. Est-ce que vous avez vu mes crampetés? Wow. Il est énorme. Il est énorme. Une girafe le bordel. 6m30. Elle a fait un caca. Il était aussi gros que la Skytree. 600 mètres le caca, 600 mètres. C'est mon caca. Tu sais pourquoi il est pas content? Non. Parce que les gens sont pas abonnés à la chaîne en fait. Oh non. Bah oui. Alors que si vous vous abonnez... Il a l'air machiavélique. Il est... Quoi, c'est un éléphant ton caca, je comprends pas. Non mais parce que il est un peu mou à la fin. Ah non. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un spectacle sur le caca central. Oh, bah oui. Oui. C'est un peu comme Disneyland finalement. Oui mais on a un caca. C'est surréaliste ce que je suis en train de vivre. Waouh. Wow, c'est incroyable. C'est une jungle de caca. Il change de couleur. Waouh. Regarde-moi ça, c'est incroyable. C'est la sortie. Terminé le caca. On arrive à la boutique. La boutique remplie de caca. Oh, chérie, il y a des chapeaux caca. Qui achète ce genre de choses? Qui? Deuxième lieu, est-ce que vous aimez le café? Moi, je déteste ça. Moi, j'aime ça. Ici, vous pouvez vous faire servir votre café par un ours. Il y a un trou dans le mur, vous faites votre petite commande et c'est une main d'ours qui vous donne votre boisson. On va commander? On va commander. Vas-y. Ok, alors, on va commander. T'as des petites bouteilles spéciales. Ah, mais il n'y a pas que du café, en fait. Mais je suis super heureux. Ah, mais je suis ravie. Moi, j'entendais avoir que du café, j'avais le seum. Je vais prendre du thé à la rose. Sans lait, un cappuccino au melon, on va tester ça.
Peut-être que tu vas aimer. Je suis pas sûr. Bon, on teste. Et t'as même à manger. Oh non, mais c'est trop. Non, mais là, je vais me faire plaisir. Hein. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je l'ai pris. Ok. Oh, c'est quoi? Tu m'as donné des petites pièces. Ah, c'est pour. Je mets dans le. Oh, ok. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. En fait, il y a plein de lots à gagner. T'as 1% de chance d'avoir un jour une boisson offerte. T'as 3% de chance d'avoir un espèce de petit set. T'as 37% de chance d'avoir des stickers. On va voir si j'ai un petit peu de chance. J'ai eu B. J'ai eu ça, j'ai eu 3% de chance de l'avoir. Mais j'ai eu trop de chance. Bon, du coup, je suis sorti de la boutique parce qu'il y a une musique et je suis pas sûr que vous m'entendiez très très bien. J'ai mon petit ticket. Ça m'a coûté 5490 yens, ce qui fait à peu près 37 euros. Après, t'as pris quand même des trucs collector de ouf. Hein. Après, ouais, après j'ai pris la bouteille collector ours et tout, un peu spécial saison pastèque machin. Ah, ça y est, il y a quand même un mot pour vous. Merci d'être venu. Merci d'être venu, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup, monsieur l'ours. Et du coup, je suis trop curieux d'avoir à quoi ça ressemble. Waouh. Merci, monsieur l'ours. Ah oui, non, mais j'ai acheté, mais j'ai abusé du bail en fait. Non, je savais pas, je croyais que c'était un donut, la vie de ma mère. T'as tout acheté? J'en ai pris 6. Miam. Vous en voulez un? Mais oui. Allez-y, vous en voulez un? Merci. Enchanté. Merci beaucoup. Enchanté. Maxime, merci beaucoup. Oh, regarde. Oh non, mais c'est une dinguerie, non, c'est trop grave. Non, c'est trop. Merci beaucoup. Merci. Il a son petit bonnet. Non, mais vas-y, ce pays, il est trop loin devant nous, c'est trop. Il y a le sac. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Wesh. C'est pour toi encore. Ça c'est le lot B ça. Attends, jure c'est pas encore des donuts, pitié. Ah non, what? C'est un set de petits gâteaux. Wow. Mais c'est trop mignon. Merci beaucoup. Bon du coup on a tout ça à goûter. Je crois que j'ai abusé du bail là. On goûte ou pas là? Vas-y. Alors comment on fait pour... Bah déjà je te laisse goûter ça, au melon. Je sens pas du tout de café. Ok. Pas du tout. Donc je pense qu'il n'y en a pas. C'est un peu bonbon aussi, ça va te plaire. Je pense que c'est très sucré. Ah ouais. Ouais, c'est ok, c'est un bonbon. Ouais, c'est un bonbon. C'est un bonbon le bordel. Oh, c'est trop bon. Il y a de la crème. Oh, c'est trop bon. Putain, c'est bon. Ton gros nez sur le. Mon gros nez sur l'objectif là. Attendez, je vous nettoie. Alors lui. Et maintenant le thé à la rose. Oh là. Oh là là là. C'est génial. Ok, là il y a un petit capuchon. Hop, mets la paille dedans. Vas-y, bah goûte. Alors ça, c'est très très bon. Et tu vois là, c'est pas du tout sucré. La bouteille, évidemment que je la ramène avec moi la bouteille. Il est trop chou, en fait il y a des petits bracelets et tout, tu peux le garder le bracelet si tu veux. Alors tu dis que c'était pas trop sucré. Oui bah c'est moins sucré que ça quoi. C'est trop bon. En fait c'est des petits cannelés que j'ai eu et là c'est un cannelé au matcha et dessus, et des petites feuilles d'or dessus. Oh, voilà, on gagnait des concours quoi. Ça a l'air... C'est fourré à l'intérieur ou quoi? Non. Non, c'est un gros cannelé sa mère. C'est bon. Mais en vrai, je t'en mange un, t'as plus faim pendant 2 semaines. Maintenant, je vais goûter mon donut. Regardez-moi ça, là. Tu m'en donnes un petit morceau. Mais, et moi alors? Il est parti. Merci, le Japon. Bon, et bien écoutez, c'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré. C'était trop bien. Vraiment, si vous pouvez passer, allez-y, dans le quartier d'Harajuku. Ça s'appelle Anakuma Café. Et c'était trop bien. Voilà. On va continuer avec la dernière activité. Oui. Les Love Hotels, c'est ce pourquoi vous avez cliqué. On teste les Love Hotels avec Adeline. Oui, mais pas n'importe lesquels. Et pas n'importe lesquels. Ouais. Et on y va tout de suite. Alors, c'est trop bizarre. Oh non, mais il est encore là, lui. La vie. Il fait flipper. Alors déjà, il y a un truc qu'on peut remarquer directement, c'est qu'il n'y a personne. En fait, il n'y a pas d'accueil. Pourquoi? Parce que dans un love hotel, quand tu viens ici, tu viens pour te la donner. Ici, tu viens pour Ken. Ici, tu viens pour arracher le... Non, mais tu te calmes. Pardon. T'as pas envie qu'on te regarde, t'as pas envie qu'on te juge. Exactement. Donc, tout est automatisé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir notre chambre sur un écran. C'est bon, on va rentrer dans la première chambre de Love Hotel qu'on a réservée. On en a réservé 3, dans 3 thèmes différents. On va vous les montrer toutes les 3. On commence, on rentre. C'est parti. Théma le carousel. Il y a un carousel. Voilà, il est peut-être un peu petit pour moi. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais du coup, on peut le faire toi, ça fonctionne. Oui. J'ai trop peur. Je sais pas. Ça dure combien de temps? Je sais pas. Le son qui sature, c'est terrifiant. Je déteste. Je pense qu'il est temps de s'abonner. Comment il s'arrête? Mais comment il s'arrête? Y a pas un bouton? Y a un bouton, non? Oh frérot, tais-toi! Tout l'hôtel, il t'entend! Oh, je vais débrancher. Mais il s'arrêtait plus!
Alors, la suite. Oh, c'est ton meilleur ami. Non, la vie de ma mère, non, mais non, mais non. Non. Donc là, tu vas me dire que là, il y a des gens, ils se font démarrer à la mi-temps juste là, et il y a lui qui... C'est quoi? C'est une dinguerie. Ignoble. Il est mou en plus. Ah, il y a un bouton. Il y a un... Oh non, là. On ose ou pas? De toute façon, ça fait exploser la chambre. Hein. T'es prêt? Vas-y. Oh, la bouge. Vite, ma mère. Ça pourrait être une créature de cauchemar. Hein. Je pense que t'es un enfant, tu vois ça, tu t'es pas bien, hein. Bon, tu dors pas la nuit. Hein. Oui, non, tu viens pas ici avec les enfants. Je me sens hyper mal à l'aise. C'est mignon, mais moi aussi je suis hyper mal à l'aise. C'est un peu creepy. Hein. En fait, je me dis qu'il y a énormément de gens qui sont passés ici. Imagine combien de personnes sont fait arracher sur ce lit. Non, enlève ces images de ma tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En vrai, le mur est stylé aussi. Hein. Wow, par contre, oh la vache. Oh. Mais t'es ma. Oh. Et t'es pas le premier à mettre le doigt, t'as vu? Après, qui te dit que c'est des doigts? Oh non, arrête. Alors, ça se trouve là. Bah, arrête. Je rigole, je rigole, je rigole. On va tester le côté confortable du lit. Okay, à trois, on s'assoit, ok? 1, 2. Oh. Oh. Oh, je suis un peu déçu quand même. Ah ouais? Moi, je suis. Ouais, un il est quand peu même dur. Agréablement. Hein. Oui, il est ferme. Mais il a du. Il est ferme. Mais il a du ressort. C'est vrai. Je pense que. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça rebondit un peu. Ouais, ça rebondit un peu. Moi, j'ai plus rebondi que toi. Je pense. Mais on va arrêter ces discussions. Parce que ça, déjà, ça m'angoisse. Il faut savoir que pour réserver cette chambre de Love Hotel, à la base, elle coûte 80 balles, 90 balles, un truc comme ça. Sauf que lorsqu'on a fait l'intro de la vidéo, on a pris du temps pour faire l'intro. Et entre temps, la chambre était disponible. Et bah, elle était plus dispo. Et non. Et genre, quand on a fait l'intro, il était quoi? Il était. 14h, on est revenu à 22h. Sauf que la chambre elle est disponible, mais en tarif de nuit. Mais oui. Eh bah, devinez combien ça m'a coûté. 180 balles. 180 balles. 180 balles. Désolée pour toi. Après, est-ce que ça les vaut? Bah, pas du tout. Non. J'essaie de me rassurer. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre dans cette chambre finalement. Là, t'as un petit distributeur qui est. Vide, peut-être flouté. Je pense que c'est flouté, ouais. Ça, c'est un jouet. Ça, c'est un jouet. Un jouet pour homme, un jouet pour femme. Ouais. Là, y a une... Là, tu peux te commander une tenue sexy. Tu veux que je te commande une tenue? Non, j'ai la mienne prévue dans mon petit sac. Comment ça, t'as une tenue? Tu veux que je te montre? Si. Attends, mais je peux me montrer ça même. Je pense. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, ouais, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'elle est allée chercher? J'ai peur de comment elle va sortir. Ouais, je n'en. Mais. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il faut, hot dog? Bah, je suis plutôt salée que sucrée, moi. Ah, c'est pour ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Bah, je crois que tu m'excites, hein. Ah bon? Non. T'as un peu faim, là? Non. Non. Attends, j'ai pas fermé la porte. Je vois te voir passer en hot dog. Du coup, tu te trimbales ton tote bag avec ton costume de hot dog depuis ce matin. Ah, d'accord, super. On va s'arrêter là pour cette chambre de Love Hotel. On va passer à la deuxième. Et toi, tu vas enlever ce costume de hot dog de merde, là. Pitié. Moi, j'ai envie de le garder un petit peu. Enlève ce costume de hot dog. D'accord. Nouveau Love Hotel, nouvelle chambre. Et alors, celle-ci, elle est dans un style qui n'a rien à voir. Ça ressemble à ça. C'est hyper spécial, hein? Oui, c'est très luxe quand même. Ouais, en fait, c'est un mélange de luxe, de baroque, de BDSM un peu. Les murs, c'est du cuir partout, quoi. Genre, quand tu regardes ça, là, on dirait que je suis dans un donjon, là. En vrai, c'est plutôt stylé, et ça qui est drôle, c'est vraiment que les chambres ont un thème qui n'ont rien à voir. Alors, évidemment, il y a des chambres qui sont beaucoup plus classiques, mais on peut trouver des chambres avec des thèmes assez spéciaux, comme celle-ci ou comme celle d'avant. Là, on a le petit salon avec une télé gigantesque. Ouais, ça sent très bon. Ça sent hyper bon et c'est hyper isolé. Genre, vraiment, j'entends aucun bruit. C'est hyper calme en même temps, c'est normal. En fait, ouais, il y a deux portes. Il y a la première porte là et la deuxième porte là. Espèce de sas. Et là, du coup, c'est la salle de bain. Ah ouais. Ok. La baignoire, elle est attends, énorme. Mais c'est une télé ça? Et tu peux te doucher juste là. Mais c'est. Et c'est archi propre. Ouais, c'est hyper propre. C'est clean de ouf. Je m'attendais à, je sais pas, des odeurs bizarres. Je sais pas pourquoi. Il faut savoir que dans ce Love Hotel là, c'était un peu particulier puisque ceux qui étaient du coup à la caisse, là c'était nos grands potes. Ils ont tapé des blagues avec nous, ils nous ont demandé si on voulait prendre une photo, si on voulait faire une vidéo. Vraiment, les gars étaient hyper à l'aise, ils ont appelé un staff pour qu'on parle anglais, enfin vraiment c'était hyper cool, totalement décomplexé et je m'attendais pas à ça. Ils nous ont expliqué pas mal de choses, du coup il y a des costumes en libre service. Tu peux être une petite mini. Est-ce que je suis pas mignon avec celui-là? C'est très mignon. Allez, je le prends. Mais aussi les boissons en illimité et gratuitement. Voilà, donc si vous voulez descendre, prendre un verre de coca, machin, vous pouvez descendre. Il y a une fontaine avec plein de boissons différentes et vous faites plaisir pendant bah, tout le temps où vous êtes là. Bon, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses dispo ici. Tu peux faire du karaoké. Tu peux faire du karaoké. Avec toi, t'as des petits micros. Ça compte comme préliminaire Mais t'es malade ou quoi, toi? Évidemment, ce qui est intéressant dans ce genre d'endroit, c'est est-ce que le lit, il est cool ou est-ce qu'il est rincé sa mère? Waouh! Ah oui, d'accord, j'entendais pas à ça. Pas du tout confortable. Il est hyper dur! C'est pas un lit pour dormir. Oh la vache! Ah ouais! Oh regarde! J'avais pas vu! Derrière, t'as un panneau de commande et t'as soit voilà la lumière principale. Là, t'as quoi? La lumière du lustre. Tu
Là, la lumière configuré. Derrière le lit. Et à tout moment, j'appuie sur un bouton, le lit décolle. Là, t'as quoi? T'as une petite boîte. Ah. 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 Et oui, bah oui, mais forcément. Ils en ont mis trois, hein, quand même. Hein. Et là, je me demandais en plus où ils étaient. Et bah voilà, la question est là. T'as des mouchoirs, sûrement parce qu'au cas où t'aurais un rhume et tout, là. Bien sûr. T'as une grosse boîte aussi. Ouh là, là. Là, j'ai peur de ce que je vais trouver à l'intérieur. Oh. C'est un micro de karaoké sans fil. Là, vous avez juste à le poser. Et là, bah, directement, vous pouvez faire vos meilleurs karaokés, quoi. Évidemment, tout est désinfecté à balles entre chaque passage. Ils sont hyper rapides, d'ailleurs. Vraiment, je crois qu'ils mettent 5-10 minutes pour tout nettoyer, pour tout changer. Voilà, évidemment, tous les Love Hotel ne sont pas propres, mais celui-là est hyper bien noté. Non, la chambre est vraiment cool, elle est vraiment mims. Écoutez, on va passer à la troisième et dernière chambre de Love Hotel. Allez, c'est parti. Il faut savoir que là, pour aller dans le dernier Love Hotel, c'est assez éloigné du centre-ville. Et du coup, on doit prendre un taxi. Il faut montrer l'adresse au taxi. Donc, ça veut dire que là, actuellement, le taxi... C'est très bien quoi dans un nouveau hôtel. Et il est en train de se dire, ok, je les amène à l'hôtel pour qu'ils puissent s'arracher ensemble quoi. Bon, on est arrivé au dernier hôtel avec la dernière chambre à vous montrer. Vous l'avez vite compris, c'est un thème Jurassic Park. Il est incroyable l'hôtel. C'est n'importe quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à commander la chambre et on la découvre avec vous. C'est parti, on y va. Il n'y a plus aucune chambre dispo. Si, il reste 2-3 chambres un peu nulles, mais toutes les chambres stylées, elles sont en rupture. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que toute la ville s'est donné rendez-vous pour Ken aujourd'hui. Ils sont tous passés le mot, il y a des promotions, je sais pas. Pourtant, on a essayé, hein. On s'est dit que si on attendait un petit peu, peut-être que ça allait se rendre dispo. On a attendu 4 heures. 4 heures, ok, 4 heures. Il n'y a rien qui a bougé, on a vu des couples partir, des couples rentrer. On est passé pour des vieux stalkers de merde. À chaque fois que quelqu'un rentrait, on était comme ça, genre... Et non, en fait, il n'y a vraiment aucune jambe qui est devenue dispo. Et je suis deg parce que la chambre était incroyable. Il y avait un raptor dans la salle de bain. La salle de bain, c'était une jungle. Et il y avait même un autre hôtel à côté. Oui, l'hôtel qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est un quartier avec que des love hotels. Il y a un love hotel, le bâtiment, c'est un bateau. C'est sur le thème des pirates. Il y a un Jack Sparrow qui est complètement défoncé. Jack Sparrow, il est fatigué. Il y a même une chambre, le lit, c'est une bouche de requin. Eh ben, elle n'est pas dispo. Non. Bon, c'est pas grave, au moins on sera venu, on aura vu le décor parce que vraiment j'ai vu des fêtes foraines moins bien décorées que ces Love Hotel. J'espère vraiment que vous aurez kiffé ces vidéos au Japon. J'étais tellement content de les faire. Ouais, c'est... on a fait des trucs trop cool. On a fait des trucs trop bien. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Abonnez-vous, le pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'est dingue de me dire que. Je leur dis, ils viennent de Ken là. Ouais, je leur dis pardon. Peut-être qu'ils ont libéré la chambre requin.